Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la promotion de l'épisode 2 Elite Dangerous. Donc, fonds insuffisants, bah oui, forcément, on n'a pas de quoi acheter encore une soute complète de beryllium. On achète donc le total. Attention, c'est très dangereux, très risqué. Je vous rappelle qu'on a aussi une mission qui nous permettra de nous faire quelques crédits assez rapidement. C'est vrai que j'aurais peut-être dû regarder avant de tout prendre. Bodedi, non. Non, il n'y avait rien. C'est bon. Bon, bah dans ce cas-là, on y va. On fait demi-tour et on rentre à Gernsberg Terminal. Ou Gernsberg Station, je ne sais plus. Non, Gernsberg Terminal. Ou Gernsback. Je sais plus. Hop. En douceur, parce que lui, bah, il regardait comment il se barre comme un... Oula, mais on se calme, l'ami. Oula, il y en a qui sont pressés. La peinture, la peinture, la peinture, la peinture, la peinture, la peinture, la peinture. Oh putain. Wouh! Allons-y. Hop. Est-ce que j'ai bien mis de MTA au fait? Gernsberg. Ah non, bah non, voilà. Alors le mec, il y avait un truc que j'avais oublié. Le voilà. On y va. Bon, bah toujours en train d'essayer de remonter notre quantité d'argent. Je vous rappelle qu'on a une mission qui a un total de 32 000 crédits, ce qui n'est pas rien, pour ramener 4 uraniums sur place. Donc c'est toujours un bénéfice non négligeable. Niveau revendeur, je ne sais pas du tout. Ah bon? Température critique? Pourquoi on a 83%? What? Pourquoi température critique? What? Pour discuter mon cul, oui. Non, non, on file à l'anglaise. On file à l'anglaise, j'ai dit. Allez, file, 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 file. Putain, ils viennent derrière nous. Ils viennent derrière nous, chers amis. Non? Non, c'est bon. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, chers amis. Tout va bien. Oh putain, pourquoi décélérer? Pourquoi il a accéléré à ce point? Non! Il y a du danger! Prise de risque! Prise de risque! Non! Nous sommes en danger, chers amis! Nous allons tous mûrir! Et oui, j'ai dit mûrir, et alors? Bon. Ça, c'est bon. On a réussi à atteindre Gernsback Terminal. Encore que c'est pas la partie la plus difficile. Bien que. Hop, ah, on peut voir légèrement sous le... Oula. Oh, je déteste ces boosters. Ok, bon. Voilà. Parfait. Bon, fais pas le con, hein. Hop. Donc là, on va se faire 33 000. Plus...
Plus 20 000, ça fait 50 000 de profit sur ce, je crois, sur ce genre de transport. C'est pas encore énorme, mais bon, on regrappille un petit peu petit à petit ce qu'on n'avait pas. Plateforme numéro 15, on la voit d'ici, c'est cool. Hop! Sympa quand même comme endroit, je trouve. J'aime beaucoup la, la comment le on va appeler ça le game design des stations, le level, enfin ouais non, ouais, je sais pas comment, ouais le level design on va dire, même si c'est pas vraiment un level. Hop. Alors Gernsback Terminal, pardon, je dis toujours Gernsback, je sais pas pourquoi. Table d'affichage, j'ai des quêtes pour toi, enfin j'ai une quête pour toi déjà. Donc 33 000 crédits, ça c'est bon. Incursion fédérale en Ad Leonis, non. Ross 114, non. Ramener des polymères, non. La mission de pirate rapporte beaucoup, hein. Elles sont extrêmement dangereuses. Vous savez que moi, le danger, ça fait 36. Hein. Donc 33 000. Plus sur le marché. Ah non, on va faire un bénéfice un peu plus important. 39 000, ça fait 70 000 de bénéfices. Là, ça commence à être vraiment intéressant. Ah, je croyais qu'il en vendait, putain, je me suis dit oui! Mais non. Tu t'es encore excité. Non, avant d'aller voir ça, pardon, j'aimerais quitter. Aller voir le tableau d'affichage, parce que maintenant qu'on est vide, Destro, il va nous proposer des choses. Alors. Pas trop de nouveautés. Non. Tant pis, on aura essayé. Hop. Et on retourne à Duanta. C'est parti. Alors, on décolle, parce qu'on va pas se bouffer la station qui est juste devant. Ah putain, je me suis pris des dégâts, regardez, je suis à 99. Ça, je crois que c'était un Lacon type 9 devant. Vraiment le côté hyper lourd de ce que j'ai actuellement, et vous avez pu voir que c'est vraiment ric-rac en haut comme en bas pour le faire sortir. Alors déjà que moi j'en chie avec celui-là. Hop, c'est bon, la peinture a pas été égratignée. Hop, on n'a plus qu'à se diriger vers là où nous souhaitons aller. Alors je doute qu'on ait un jour un Lacon type 9, chers amis. Hein. Mais le type 7, on l'aura. Je pense qu'avec le type 7, on passera directement ensuite au... Au comment? Au Python. Et peut-être avec un peu de bol, si on... suivant comment ça va se passer avec le Python, on passera peut-être à l'Anaconda, on sait pas, mais... Il me semble, j'ai cru entendre parler d'un du Python que le fait qu'il était nerf, donc n'hésitez pas à me le dire, à m'en parler dans les commentaires aussi. Après aussi, comme d'habitude, n'hésitez pas à me parler de vos routes commerciales, si elles sont plus lucratives que les miennes. Donc voilà. Hop, il faudrait peut-être temps que je me bouge un peu le cul. Hop, un petit coup d'accélération. Parfait. Pouh! Alors,
6 nouvelles cibles. Vous le sentez le danger, chers amis? Vous le sentez le danger? Aïe 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 aïe. Ça pue le danger. Oh là là, il y en a deux qui passent derrière moi. Oh là 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 là, j'ai peur. J'ai peur. Il y en a qui me suivent, je crois. J'ai très peur. Nom de Dieu. Non, c'est bon. Ouh. Alors. Alors. Nous y sommes presque. Et on risque pas de se faire agresser normalement. Normalement. Bon. Ça se passe plutôt bien. De toute façon, je pense que si on a une agression à cette vitesse-là, on est illico en... On est illico pris, en fait, quoi. Et non, ce n'est pas le nom d'une chaîne de magasins, illico pris. J'imagine bien la vieille... comment... La vieille réplique de pub, je sais plus comment ça s'appelle. Une réplique de pub. Illico prix, illico acheté. Faut vraiment que j'arrête avec mes conneries quand même, c'est violent. Hein. Appelez, voilà, laissons le faire. Oh là, calme-toi! Oh là là. Il fait quand même vachement peur, le pauvre garçon. Ah bah là, il est pas en file d'attente mode... En file d'attente tranquille. Fais gaffe au cobra. C'est bon, vas-y. Ok, on est dedans. Bon. 22, c'est juste là. Wouhou, c'est pas passé loin, ça. Bon. Alors. Service de spatioport. Commençons par là. Faire le plein. Tableau d'affichage, est-ce qu'on a quelque chose là actuellement? Non, je peux pas donner autant. Je suis désolé. J'aurais bien donné 2000, 3000 crédits, mais 8000, non. Ah, je n'ai pas accès au marché. Alors que si j'étais pas dans le marché, peut-être. Ah, ça y est, j'ai accès au marché. Bonjour, je vous vends 104 tonnes d'équipement ménager, 104 tonnes de cafetière. Pour 22 000 crédits. Alors avant d'aller acheter du beryllium, tableau d'affichage. Usage médical, vous comprenez. Usage médical, vous comprenez. On recherche des transporteurs discrets pour se rendre dans le système de Nanomam. Nope. Beryllium. Je peux en acheter 39. On achète alors.
On retourne donc à Gernsback. Gernsback, je vais y arriver, chers amis. Je vous promets que je vais y arriver. Hop les. On y va. Ah, j'ai encore touché. Ou alors j'ai mal réparé, je sais pas. Descends, descends. Ok, c'est bon. Alors, où est la zone? Derrière l'anneau? Seriously? Bon, c'est bon. On va pouvoir s'en sortir. Non, oui, non, non, oui, non, non, oui. Oui, non, non, oui. Oui, non, c'est bon. Hop, pleine puissance, monsieur Zulu. Bon. Hop. La voici. Hop. Gernsback Terminal. Allons-y. Bon. Alors, il n'y a pas l'air... Oh, j'ai dit, il n'y a pas l'air d'y avoir dans mon monde et je vois d'un seul coup en haut à droite une nouvelle cible. Wouhou, c'est plutôt moi la cible, non? Une fois qu'on aura le piton, on sera le chasseur. Et pas le chasser, et pas la proie. Ça qui est cool. C'est ça qui est cool. On n'est pas près de la voie, on a même pas le premier million sur les... je crois qu'il me faudra 150 000, de toute façon, 150 millions. Donc on n'est pas rendu, hein, encore. Hein. C'est pour ça que je vous le dis et je vous le répète, n'hésitez pas à me faire profiter de vos... routes commerciales. Quand on sera à un rang supérieur, je pense que là on a combien, 41% de revendeurs. Quand on sera marchand, il me semble, le prochain, et ensuite surtout courtier. Apparemment courtier, c'est vraiment là où ça commence vraiment à devenir extrêmement intéressant, à être extrêmement lucratif au niveau des missions. En tout cas, c'est ce que moi j'ai pu en voir, en tout cas dans la mission inaccessible. Alors là, on va pas s'embêter. Voilà. Pleine puissance, j'ai dit pleine puissance. Alors, où est-ce qu'on en est? On n'a pas encore dépassé l'anneau. 3 boosts et on n'a pas dépassé l'anneau. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chose. Encore en faire un. Allez! Voilà! Nous voilà partis. Hop! Je préfère voir large, chers amis. Hop. L'avantage est dans une station Coriolis. Il me semble que c'est pas une Coriolis, celle-là, je ne sais plus. C'est qu'il n'y a pas. Enfin, il y a des stations qui n'ont pas d'anneau, vous savez. Donc, du coup, il y a moins de chances de taper dans un anneau. En fait, il n'y en a pas. Enfin, je pense que vous trouvez ça logique. Moi, pas tant que ça. Alors. Plateforme numéro 7, on la voit pas, elle doit être en bas, j'imagine.
Tout à fait. Eh ben, on y va. Hop. Parfait. Parfait, parfait. Allons vendre tout ça. Je pense pas qu'ils vont m'en prendre du beryllium hein, comme ça. Pour un profit total de 57 000 crédits, ce qui n'est pas rien. On remonte, petit à petit, on remonte. Ok, tableau d'affichage. Voyons voir. La lande, non. De grande envergure à Ross, 451, non. Blest, connais pas du tout. Ad Leonis, non, je n'aime pas. Bon. Bah, on va racheter l'électroménager. Hop, pour 51 000 crédits. Et on retourne sur Dwemta, comme d'habitude. Hop les. Voilà, j'ai contre... What? Mais non, tout va bien. Elle perd la tête cette IA. Trop de vaisseaux. À mon avis, il y a un passant qui a dû essayer de me voler mon Vulture. Il a mis un coup de clé sur la peinture et ça lui a fait des dégâts. Il fait ah, il y a un truc qui va pas. Non, ça va en fait. C'est pas le bon vaisseau. Tu parles trop vite, espèce d'IA. Et comment ça, accès interdit? En fait, je crois qu'il est tellement lent, le type 6 en ralenti, que du coup, elle a l'impression qu'en fait, le jeu a l'impression qu'il est devant la station pour rentrer dedans. Trop con ce truc-là. Hop, les, on y va. Alors. N'empêche que j'ai racheté plein de playettes et j'ai pas eu le raison d'utiliser. Ce qui n'est pas plus mal, hein, ce qui n'est pas plus mal. Mais bon, voilà, quoi. Mais on pourrait aller voir aussi les stickers qu'on pourrait mettre avant de finir cet épisode. Les stickers de marchands. Ça se trouve, c'est des gros dollars sur les côtés. Oh. Alors, non, on va pas rentrer dans le soleil. Il fait bien assez chaud comme ça. Par là. Hop. Et on roule le plus vite possible, enfin en tout cas on vole, on se propulse le plus vite possible pour éviter tout ennemi. Particulièrement ceux qui font le tour du soleil comme ça, l'air de rien. Non c'est bon, ils dirigent vers un autre système, enfin vers une autre planète. De ce côté là on est plutôt chanceux. Bon. C'est bon, on n'aura pas de problème normalement. Sauf si on déplace ces deux-là. Si on dépasse, pardon, ces deux-là. Apparemment, ce n'est pas le cas. On va pas les dépasser, c'est bon, c'est parfait. Génial. C'est génial. Pourquoi est-ce qu'on va aussi lentement ? On a dû rentrer dans le contour de la planète, j'imagine. Parce que là, on n'avance pas, chers amis. Hein, autant vous le dire, là, on n'avance vraiment pas. Je me sens inexorablement attiré par la planète, c'est marrant. Hein. Pff,
Putain, il fait demi-tour, regarde. Non. Oh, je le sentais pas, le mec derrière. Oh là là. Ah. Ah, c'est peut-être le jeu quand je chie un petit peu. Ah bah non. Non. La connexion va en train de me lâcher. J'ai l'impression que la connexion au serveur du jeu a lâché. Pourtant, ma connexion est encore bonne. Je viens de vérifier sur le PC portable. Jeu ouvert, on reprend. Ok. Où suis-je? Qui suis-je? Dans quelle étagère? Apparemment, je suis même pas en FSD. Vous auriez pu me remettre en FSD. J'étais directement remis au niveau de l'étoile. C'était vraiment nul ça de faire ça. On a bien vu que tout à l'heure on a déjà eu un petit problème au niveau de la connexion sur le. Sur le comment le marché. En espérant qu'on y arrive cette fois. Alors. Remarque, c'est assez rapide. Une cible perdue, c'est bon, on est tranquille. Alors, deuxième tentative, chers amis. Je préfère dans ce sens-là, c'est mieux. Ok, on évite l'anneau pour être sûr de pouvoir tomber comme il faut sur la station sans avoir à freiner trop brusquement et inutilement. Parfait. Le doigt sur la gâchette, en tout cas sur le bouton. Et on est bon. Oula, pas trop près. Une fois, pas deux, hein, comme dirait l'autre. Encore un coup. Ok, c'est bon. Parfait. What? Voilà, merci. Il va me faire des conneries, je le sens, je sais pas pourquoi. Je sens que je vais dans les... Vous voyez? Voilà. Vous voyez comment il en chie? J'ai bien compris, t'es en truc d'attente. Allez, rentre dans ce putain de gros hangar. Parce que c'est tout ce que c'est pour l'instant, hein. C'est un gros hangar stylé. Hop. Ah. Bon, ça c'est fait. Service de spatioport. Polyakov Station. Réparé. Au cas où, on va faire s'il n'y a pas des quêtes, genre donner des équipements ménagers. Apparemment, non.
Marcher. Marcher, 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 marcher. C'est un peu plus bas. Pas de cellule souche, non, non. Voilà. Vendre. 21 000 crédits. 22 700, pardon. Pour ça de prix. Bon. Non, je vais pas acheter des fringues. Non, merci. Enfin, en tout cas, pas dans le jeu. Bon, bon, bon. Alors oui, on devait aller voir aussi dans le hangar, donc, les stickers de marchands. On les a pas vus encore, ça peut être intéressant. D'ailleurs, en parlant de stickers de marchands, nous sommes à... Mince. Déjà voir le temps. 43%. C'est pas beaucoup. C'est vraiment dommage. Mais dis donc, c'est qu'on est vachement loin. Équipement. Livré, voilà. Appliqué, on n'a pas de peinture. Hop, sticker. Sticker 1, test 2, L1. L2. Revendeur. Oh, elles sont jolies celles-là, mais celles-là aussi. Ah, j'aime bien le petit côté circulaire, mais j'aime bien celle-là. Hop, on va prendre celle-là. Là aussi. Et là aussi. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, viriser, le commenter, le partager, vous abonner et rejoindre le groupe Steam. Joueurs de la Playroom, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver donc dans la bannière de la chaîne un lien vers mon partenaire gamesplay.com. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus pour d'autres épisodes sur Elite Dangerous. Salut les gens. Et yop.